tout rayonnant de ta bonté. Hosanna, oh, au plus haut des cieux, sois béni. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna, oh, au plus haut des cieux.
Balancer, 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 balancer.
que la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque la main. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec je ma loue, voix. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Jésus a gagné, on va crier.
soi. Un plan de bénédiction. Tu as un plan pour toi. Un plan de malédiction. Tu as un plan pour toi. Genoux, on va se mettre à genoux. De ses enfants, Jésus marche dans l'assemblée. De ses enfants, il met le pas, il emboîte un autre. 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 Si j'arrive à toucher le pan de son vêtement, je serai certainement guéri. Si j'arrive à toucher le pan de son vêtement, je serai certainement guéri. Oui, Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Oui, Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Oui, Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Et son accomplissement est arrivé. Et son accomplissement. Sur toi, mes yeux.
ce soir, nous sommes en ta présence. Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi. Seigneur, nous n'avons personne. Toi seul es notre force. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire et toute l'honneur. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Toi qui ne cesses de nous dire, il y a encore de l'espoir. Seigneur, regarde l'angoisse et l'amertume de notre cœur. Seigneur, quand nous nous retrouvons seuls pour pleurer, Seigneur, tu es là. Toi seul essuie nos larmes. Seigneur, tu vois les difficultés par lesquelles nous passons. Comment c'est difficile en famille, dans notre foyer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre la bouche et parle à Jésus ce soir présent dans cette Eucharistie. Parle-lui de ce qui fait ta peine, tes misères. Parle-lui, dis-lui ce que tu vis. Comment tu te sens seul. Parle-lui de toutes ces humiliations et ces frustrations. Dis-lui que tu n'en peux plus. Lui seul est ta force et ton réconfort. Ouvre-lui ton cœur ce soir, car il veut reconstruire cette vie brisée. Il veut repartir de nouveau avec toi. Il veut te redonner cette force. Il veut te redonner le goût et la vie de la prière. Il voit tes peines. Il connaît tes humiliations. Et pendant que tu seras en train de l'adorer, sa main compatissante viendra vers toi. Il viendra essuyer tes larmes et te redonner la force. Tu es découragé par cette vie. Tu es découragé par cette maladie. Tu es découragé par les échecs répétés. Tu es découragé parce qu'il y a comme une sorte de malédiction qui te poursuit. Jésus est là. Le Maître est là. Le Roi des Rois est présent. Et pendant que tu es en train de prier, tu as encore mal. Mais je voudrais te dire ce soir, il y a encore de l'espoir pour toi. Parle-lui et adore Jésus. Merci Seigneur. Continue de lui parler. Oui, parle-lui. Commence déjà par l'adorer. Le reconnaissant ainsi comme maître des temps et des circonstances, le créateur de l'univers visible et invisible. Et l'élever à ce niveau, lui donner un accès à ta vie, lui donner un accès à ta peine, lui donner un accès à ta douleur. Ce soir, Seigneur, mon âme veut t'adorer. Je veux t'exalter, Seigneur. Malgré ma douleur, malgré ma peine, ce soir tu me dis qu'il y a un espoir pour moi. Oh Jésus, c'est pour ça que je t'adore, c'est pour ça que je suis resté jusqu'à 7 heures avancée. Pour te dire, Seigneur, dans la peine, je peux encore voir ta bonté, dans la douleur, je peux encore voir tes largesses.
Oui, par lui. Tous les quatre vents éternels. Alors on va tous ensemble reprendre ce chant avec le cœur. Oh, dis-le-nous, Seigneur. Dis-le-nous. Que tu te souviens. Est-ce que tu peux chanter avec le cœur? Ce chant passe, tu sens au fond de toi le désir de pleurer. Laisse-toi consoler par Jésus, il t'aime, il t'aime. Je voudrais m'adresser à William. Je m'adresse à toi, William. Le Seigneur te dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi es-tu découragé? Ce soir, William, il y a encore de l'espoir pour toi. Oui, merci Seigneur. Tu te souviendras de nous, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes que tu es en train de restaurer. Oui, merci pour ton entrée dans les cœurs. Ces paroles de consolation montent dans mon cœur. Ces paroles d'affermissement montent dans mon cœur. À l'instar de ce frère, il parle aussi à une dame ici qui porte le prénom Bertine. Il dit, Bertine, pourquoi toi aussi tu te lamentes? Pourquoi traînes-tu ce découragement toutes ces années? Et tu as énormément pleuré durant cette édition de Shiloh. Tu es là. L'espoir est pour toi aussi. Il dit qu'à celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Merci Seigneur. Continue de l'adorer. Oui, rends-lui gloire. Éternel mon espoir. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras. Que tu es en train de faire en ce moment. Il y a deux sœurs qui sont en train de pleurer intérieurement. Wow. Et vous allez vous rendre compte, il y a deux sœurs, il y a une qui va pleurer, qui va crier en sanglots, parce qu'en ce moment, elle entend des paroles du Seigneur qui lui met à cœur. Je t'aime, ma fille, je t'aime. Ça sera tel, c'est tellement fort en toi, que tu es même en train de te boucher les oreilles, mais le Seigneur te rassure, il te dit qu'il t'aime. Alors, pendant que nous sommes en train de vivre ces choses, le Seigneur est en train de rejoindre une personne. Et tout à l'heure, durant l'homélie du Père, il a rendu le témoignage de cette dame en Guadeloupe.
tu vis exactement la même chose. Exactement ce que le Père, l'exemple que le Père a donné pour cette dame en Guadeloupe, c'est ce que tu vis parce que tu as tenu ta mère pour responsable parce que tu ne connais pas l'amour, tu n'as pas connu l'amour de ton père. Et ça fait que tu as couteau tiré avec ta maman. Et tout à l'heure, quand il parlait de cette dame, aidez-la s'il vous plaît. Tu t'es retrouvé exactement dans l'exemple. On va chanter ensemble « Ma vie à Dieu ». Ouvre la bouche et dis-lui « Seigneur, rejoins-moi dans ma souffrance ». Dis-lui « Rejoins-moi dans ma souffrance ». Oui, vas-y, dis-lui « Seigneur, je suis venu prier à ce Shiloh et tu sais ce que je transporte comme fardeau. Pourtant, tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Seigneur, cette année, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, faute de moyens. Vais-je encore rester dans cette humiliation de père? Seigneur, cette année, l'année est en train de finir et point de signe de grossesse. Vas-y, chante de tout ton cœur. Oh, ce soir, il est en train de visiter. Chantons ensemble. Il ne me laissera jamais tomber. Vas-y, chante de tout ton cœur. Je donnerai ma vie si à je Dieu. Donne. Si je donne ma vie à Dieu, prendra, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Cet élan. Alors, avant qu'on ne poursuive, mon père, j'ai demandé qu'on prenne ce chant pour une dame qui est dans l'assemblée, qui a fait d'énormes sacrifices à cause du Seigneur. Tu aurais pu avoir un certain niveau de vie aujourd'hui. Et tu as fait tous ces sacrifices pour Dieu et aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Depuis quelque temps, tu ne fais même plus la messe. La messe que tu viens de faire ce soir est une messe parce que c'était pendant Shiloh. Dieu est en train de te rejoindre. Je veux qu'on me retrouve cette dame parce qu'elle a fait énormément de sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'elle a laissées pour Dieu. Mais aujourd'hui, elle a le sentiment qu'elle a fait ce sacrifice pour rien. Ce qui me réjouit, c'est que tu n'as pas changé d'église. Il faut la faire venir devant. Tous ceux qui se sentent abandonnés par Dieu ce soir, c'est votre heure de visitation. On continue en prière, on continue en prière. Il va entrer jusque dans les profondeurs de ton existence ce soir. Il va rentrer dans les profondeurs de ton âme.
Continuons de prier. Chantons de tout notre cœur et prions encore. Continuons de prier. Nous sommes restés jusqu'à 7 heures. Dieu a certainement un cadeau pour nous. Priez, ne soyez pas distraits. Alors, bien-aimés, avant de passer à la phase d'intercession, nous allons prendre des décisions maintenant. Nous avons parlé de l'expérience, la foi à l'expérience de l'épreuve. Peut-être qu'on ne t'a pas cité, on ne t'a pas nommé, mais tu sais l'épreuve que tu vis dans ta famille. Et combien de fois, à cause de cette épreuve, tu as commencé à reculer et à régresser dans ta foi. Tu vas prendre cet engagement avec le Seigneur à partir de Shiloh maintenant, de reprendre et de redevenir ce que tu étais. Tu vas ouvrir la bouche et nous allons ensemble prier pour demander au Seigneur de te fortifier et de te donner la grâce de tenir ton engagement jusqu'au bout. Ouvre la bouche et demande au Seigneur maintenant cette force intérieure pour qu'il te visite et que tu tiennes cet engagement que tu avais pris au début. Aller à la messe, dire ton chapelet, faire ton rosaire, venir à l'adoration eucharistique. Ouvre la bouche et parle-lui. Quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu n'es pas cette personne que tu étais à cause de la situation par laquelle tu es passé. Tu ne viens plus au rendez-vous d'adoration, au rendez-vous de chapelet, au rendez-vous de rosaire. Tu te reconnais. Tu sais que tu as abandonné la vie de foi, la vie de prière. Le Seigneur te dit ce soir, redeviens ce que tu étais. Cette personne assidue, cette personne qui était déterminée dans le jeûne. On te reconnaissait parce que tu aimais jeûner. Mais depuis un certain moment, tu as arrêté. On te reconnaissait parce que le chapelet était ton ami quotidien. Mais à cause des difficultés, tu as arrêté. On te reconnaissait parce que tu aimais dire le rosaire. On t'appelait même Tanti Rosaire. Mais depuis un certain moment, pendant que je suis en train de parler, que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi maintenant pour te fortifier. Pendant que je suis en train de parler, que le feu que Jésus a demandé qu'il ne s'éteigne pas vienne jusqu'à toi maintenant. Oui, parle-lui. Dis, Seigneur, je veux tenir mon engagement. Je veux reprendre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux t'accorder du temps. Je veux t'accorder du temps. Je veux reprendre mes heures de prière nocturne. Les nuits, je me réveillais pour prier. Les nuits, je me réveillais pour prier. Mais depuis, j'ai arrêté. Merci. Merci Jésus. S'il te plaît, demande cette force au Seigneur. Je veux raciner en toi, Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je veux raciner en toi, Jésus. Alléluia. Il y a une sœur particulièrement. Tu es tellement habitué au rosaire que quand il y a une situation qui arrive, au travers du rosaire, le Seigneur t'inspire la situation et tu vois cela. Mais depuis un moment, tu ne vois plus rien. Parce que tu as arrêté de prier à cause de cette situation dans laquelle tu te trouves. La Vierge te dit, reprends ton rosaire. Reprends ton rosaire, reprends ton rosaire. Reprends ton rosaire, reprends ton rosaire. Reprends ton rosaire, reprends ton rosaire.
Alors, dans cette même veine, il y a une parole très forte sur mon cœur maintenant que je reçois. La phrase, elle est simple. Dis-lui de sortir de là. Je pense que toi particulièrement, tu auras besoin d'un suivi. Parce qu'à cause de l'épreuve, tu es entré dans une affaire. Tu as mis les pieds là où il ne fallait pas le mettre. Et tu es passé à un niveau supérieur. Écoute bien, il m'a dit de te dire exactement, sors de là. Ce dans quoi tu as mis les pieds à cause de l'épreuve, tu es ici avec nous. Je ne veux pas t'exposer, mais il m'a dit de te dire, sors de là. Sors de là. Et pendant ce temps, Dieu est en train de visiter des ex-serviteurs de Dieu. Des gens qui ont été déçus dans l'œuvre, qui ont été déçus dans leur engagement pour le Seigneur. Des gens qui pensent avoir tout donné. Les grâces qu'il vous a données ne s'en répandent pas. Dieu est en train de vous restaurer maintenant. Il faut juste ouvrir la bouche pour prendre des résolutions, pour dire, Seigneur, je sors de cette secte. Oui, ça c'est le mot, il est sorti. Je sors de ces pactes. Tu vas juste ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je reprends mes habitudes de prière. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Reprends un engagement nouveau maintenant. Ne pars pas de ce Shiloh sans être revenu à Dieu véritablement. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu maintenant. Je voudrais, à cause de cette parole que j'ai reçue depuis longtemps, à cause de ce père de famille, je voudrais que nous puissions prier pour les malades ici présents ou ceux qui ont leur malade à la maison. Je ne sais pas s'il a le courage d'avancer, mais je voudrais prier pour lui. Tu as un fils qui est malade. Et il est constamment malade, si bien que tu t'es appauvri à force de dépenser pour le soigner. C'est un père de famille qui est ici. Tu ne sais même plus comment gérer la situation. Et ce fils, tu le portes en cœur. Tu as tellement dépensé, mais tu as l'impression qu'il ne se rétablit pas. Lorsque tu dépenses, c'est juste pour qu'il se stabilise. L'enfant est maladif. Et le père s'est appauvri et sa foi a été affectée. Je veux te voir ce soir. Si ça ne te dérange pas, je voudrais prier pour toi. Pour que le Seigneur te fortifie, mais aussi qu'il restaure tes finances et qu'il guérisse ce fils. Nous allons tous nous mettre debout et demander à tous les malades ici ce soir. Peut-être que tu es ici pour prier pour un malade ou tu es toi-même malade. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Il est le médecin des corps et des âmes. À lui, rien n'est impossible. Peu importe la nature, que cette maladie soit un sort, l'œuvre de la jalousie ou une maladie naturelle, Jésus est capable de te restaurer et de te guérir. Tu vas ouvrir la bouche et réclamer au Seigneur la grâce de la guérison pour toi ou pour la personne pour laquelle tu pries. Ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous suivent à travers les médias. Visite-les maintenant. Visite tous les corps malades. Oui, prie, bien-aimé. Parle à Jésus. Peu importe la nature de ce mal, de cette maladie. Cette femme qui souffrait depuis 12 ans, 12 années de perte de sang, elle a dit, si seulement je parviens à toucher la frange de son vêtement, je serai guérie. Ce même Jésus est ici présent.
Il est capable de le réaliser pour toi ce soir même. Je dis qu'il est capable de le réaliser pour toi ce soir. Parle-lui. Parle-lui. Il est capable de t'atteindre là où tu es assis, là où tu es debout. Il est le médecin des corps et des âmes. Est-ce que tu peux chanter avec le cœur? Le Dieu de miracles, il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de toi, il peut tout. Tu peux lever la main. Alors, le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de guérir. Alléluia. Il a commencé à guérir des maladies d'ordre spirituel, des envoûtements et des sorts. Alléluia. Et tous ceux qui sont victimes de sorts, d'envoûtement ou d'ensorcellement, l'esprit qui est à la base est en train de partir maintenant parce que Jésus est en train de guérir. Soyez vigilants. Il y a des délivrances qui sont en train de s'opérer au travers de ces malades maintenant. Je dis que cette maladie qui est due à un sort est en train de disparaître et cet esprit est en train de partir. Aidez ces personnes. Je dis maintenant, le Seigneur est en train de libérer toutes ces personnes. Lève les mains. Je dis qu'il est en train de libérer ces personnes dont la maladie n'est pas naturelle. Aidez cette soeur. Il y a plus de personnes comme cela
Alléluia. Il y a une personne, il y a un de tes vêtements qui a disparu de ta maison. Il y a un de tes vêtements qui a disparu de ta maison et tu t'inquiètes. Et depuis cet instant, il y a des mauvaises nouvelles. Tu traverses des mauvaises nouvelles. Pendant que tu m'entends, j'ordonne maintenant à cet esprit de lâcher ta vie au nom de Jésus. Tu as des douleurs de ventre répétées. Tu as eu à manger quelque chose en rêve. Et depuis cet instant, tu as mal au ventre. Ah, il y a plusieurs personnes qui traversent, qui connaissent les douleurs au niveau du bas-ventre. Pendant que vous m'entendez, j'ordonne à tout esprit logé à cet endroit de votre corps de partir au nom de Jésus. Je dis la douleur logée au niveau de ton bas-ventre disparaît maintenant au nom de Jésus. Levons les mains, levons les mains un instant. Que voici. Levons les mains un instant. Je vais demander à l'équipe de sécurité d'aller m'aider cette soeur. L'esprit de Marie de nuit peut fatiguer plusieurs personnes, mais toi dans ton cas, c'est que tu le vois aux périodes où tu es censé contracter une période de fertilité. Et c'est ce qui est à la base de ton infertilité. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à prendre de grossesse. Ce démon est logé au niveau de ton bas-ventre. Esprit incube, pendant que je suis en train de parler, sors d'elle, va-t'en. Tu as remarqué que ce démon vient te visiter chaque fois que tu es dans ta période de fertilité. Pendant que je parle maintenant, esprit de Marie de nuit, esprit de stérilité, sors d'elle, va-t'en au nom de Jésus. Sécurité, aidez-la s'il vous plaît. Le démon va partir maintenant. Vous allez entendre quelqu'un crier ardemment. C'est la puissance ténébreuse qui est en train d'être cassée. Esprit incube, pendant que tu m'entends, va-t'en. Lâche-la. Et tout à l'heure, le Père a donné une personne pour une personne qui a mal au ventre. Effectivement, tu t'es vu un rêve manger. Et après ça, tu as commencé à avoir mal au ventre. La personne va vomir maintenant. Sortez-la de l'église parce qu'elle a envie de vomir. L'envoûtement qu'elle a vécu cette nuit, qui est à la base de ses maux de ventre, est en train de sortir. Conduisez-la dehors. Le démon est en train de sortir. Esprit d'envoûtement, sortez-la. Conduisez-la dehors pour qu'elle puisse vomir tout ce qu'elle a mangé en rêve. Il y a un démon qui est en train de partir de la vie de trois personnes. En fait, vous allez vous reconnaître simplement. Vous avez l'impression que la maladie se déplace dans votre corps. Quand on diagnostique un endroit, la maladie se déplace. Et tu as l'impression qu'il y a un être qui bouge dans ton corps. Les douleurs se déplacent d'un endroit à un autre de ton corps. Pendant que tu m'entends, regarde, il y a un feu qui vient vers toi pour te libérer et casser les chaînes qui te lient maintenant. J'ordonne à ce démon mystère de lâcher ta vie au nom de Jésus. J'ai dit qu'il part maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux et toutes celles qui ont des douleurs au niveau de la tête. Pendant que vous m'entendez, que la main puissante de Jésus vienne jusqu'à vous et guérisse totalement cette douleur de tête.
Que cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a guéri une personne. Et pour elle, je ne prie pas. Je voudrais qu'elle constate la guérison maintenant. Pendant la procession, tu as dansé. Mais avant qu'on ne commence, depuis cet après-midi, quand tu es arrivé, tu avais du mal à te tenir debout longtemps. Et depuis la procession, tu t'es mise à danser jusqu'à la fin. Le Seigneur a guéri totalement les douleurs qui étaient logées au niveau de ta hanche. Et cette douleur part du dos jusqu'à la hanche. Et tu ne peux pas te tenir debout longtemps. Le Seigneur t'a guéri totalement. Je dis qu'il t'a guéri totalement. Et je prie maintenant pour toutes ces personnes qui souffrent de douleurs au niveau des articulations, au niveau de l'épaule. Pendant que tu m'entends, j'ordonne à cette douleur logée au niveau de l'épaule de disparaître au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toute douleur logée au niveau des articulations de disparaître au nom de Jésus. J'ordonne à toute boule logée dans le sein, dans le ventre ou à quelque endroit de ton corps, pendant que tu m'entends, j'ordonne à cette boule de disparaître au nom de Jésus. Aidez cette là. Je prie maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Et le Seigneur est en train de guérir une sœur qui a des complications au niveau de sa trompe gauche. Alléluia. Il est en train de te guérir pour te reconnaître. On t'a programmé pour la sectionner. Alléluia. Si ça ne te dérange pas, je voudrais prier pour toi parce que le Seigneur est en train d'opérer la guérison maintenant. Je prie pour toi et toutes ces femmes ici qui ont des problèmes de trompe ou d'ovaire. Je prie pour celles qui n'arrivent pas à enfanter maintenant. Que le Seigneur corrige l'ovaire et guérisse la trompe. Au nom de Jésus. Jésus, il y a une jeune sœur ici. Tu as un retard de 3 mois. Tu as un retard de 3 mois. À l'annonce de cette grossesse, il y a eu une vive altercation entre ton époux et toi. Habituellement, tu connais des fausses couches répétées. Mais le Seigneur te dit, cet enfant ne tombera pas. Seigneur, nous te supplions que ta main se pose sur cette dame. Cache cet enfant, protège-le et donne-lui de se développer et de grandir et de venir au monde. Bénis cette femme et bénis son foyer. Merci Jésus. Alléluia. Il y a une fillette qui est venue avec sa maman. Qui voit beaucoup de choses en rêve. Et ta maman t'a envoyé ici pour cela. C'est une fillette. Ses nuits sont troublées, tourmentées. Ses nuits sont agitées. Beaucoup agitées. Je veux voir la mère et cette jeune fille. Je vais prier pour cette jeune fille.
Dieu va restaurer ses nuits. Elle aura une nuit paisible. Et sa guérison va ôter du cœur de ses parents des doutes à propos de cette fillette. Je veux te voir. Et je vais prier pour ta fille. Je voudrais continuer de prier pour tous les malades ici présents. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de nerfs. Peut-être que tu ne sens pas tes nerfs, tes mains ou des pieds. Pendant que tu m'entends, le Seigneur est en train de redonner vie à ses nerfs maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont entrés ici, qui ont un début de paralysie ou d'hémiplégie. Je vais vous voir ici maintenant. Tous ceux qui ne sentent pas leur côté, leurs mains ou leurs pieds, qui ont commencé à avoir des déformations, si ça ne vous gêne pas, je voudrais prier pour vous. Que la main du Seigneur redonne la vie à vos membres. Il est capable de restaurer cette partie de ton corps malade et de te redonner la vie totale. Continuons de prier. Je demande à cette personne aussi qui ne peut pas user de son bras parce que le poignet te fait mal. Il faut venir aussi devant. Il y a une guérison qui est à l'œuvre pour toi maintenant. Continuez de poser les mains sur les parties malades. Vous êtes venus, vous avez attendu jusqu'à 7 heures. Dieu ne peut pas vous laisser repartir comme ça. Comprenez bien la parole que le Père a donnée. Ceux qui ont des déformations, des problèmes, des débuts de paralysie. On n'a pas dit tous les malades. Voilà, il faut suivre le rythme. Les gens du protocole, soyez vigilants à ce niveau. Ceux qui ont des débuts de paralysie, qui ont des côtés qui ne fonctionnent pas, c'est ceux-là qu'il faut accueillir devant. Sinon, on va prendre toute l'assemblée ici. Le reste, posez les mains sur les parties malades. Jusqu'à 7 heures, Dieu ne peut pas te laisser repartir comme ça. Continue de le supplier. Continue de le supplier. Allez-y, priez, priez. Dites-le, Seigneur, ne me laisse pas repartir de ce Shiloh comme ça. Allez-y, priez. Vos prières, je ne les entends pas. Jésus est présent au milieu de nous, il faut profiter. Continuez de prier. Priez, confiez vos malades qui ne sont pas présents ici. Même ceux qui nous suivent en direct de Facebook, posez les mains sur les parties malades. Jésus vous guérit ce soir. Et il vous guérit ce soir. Un moment dans ta présence suffit. Frères et sœurs, continuez de prier. L'heure n'est pas la distraction. À moins que vous n'ayez pas de problème à confier à Dieu, vous pouvez ouvrir vos yeux pour regarder ce que vous voulez. Mais si vous avez des soucis, ne ratez pas cet instant. Priez jusqu'à ce que vous sentiez la guérison dans votre corps. Priez jusqu'à ce que vous sentiez la visitation dans vos vies, dans vos maisons. Car tu merci sais Jésus. Jésus guérit ce soir. Jésus guérit ce soir. Jésus guérit ce soir. Merci Jésus. Alors, tout à l'heure, le Père a parlé des ovaires.
Je veux demander à cette dame qui a exactement 36 ans. 36 ans. 36 ans. Si tu peux venir, je te vois entre 1m65 et 68. 36 ans et tu as des problèmes au niveau de tes ovaires. J'ai parlé de toutes les femmes. Mais tout à l'heure, quand il parlait, Dieu a commencé à te visiter. 36 ans. Il faut venir devant pour que le Père prie pour toi parce que Dieu veut te guérir. 36 ans, c'est qui cette dame? C'est vous? Voilà, mettez-vous là pour que le Père prie pour vous. Je veux aussi demander à cette personne qui a reçu un coup, un rêve à la nuque. Et depuis ce temps, tu traînes une migraine qui est très périodique. Mais quand ça te prend, tu ne peux rien faire. C'est un rêve que tu as vu qu'on t'a tapé à la nuque. Tout à l'heure, on priait pour ces cas, il faut venir devant. C'est qui? Tu peux lever la main, venir vers moi. Cette personne qui a reçu ce coup en rêve, c'est qui? C'est vous là-bas, il faut venir rapidement. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu est en train de visiter aussi toutes ces personnes découragées, toutes ces personnes qui déprime. Merci Jésus. Les frères du protocole, vérifiez que les gens sont effectivement concernés par les paroles. Continue de prier, certainement Dieu va te localiser par une parole de connaissance. Plus tu pries, plus quelque chose peut te localiser. Merci Jésus. Je veux te demander de venir aussi. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour une personne pour qui tu pries, qui porte le prénom de Sandra. Sandra, elle doit être ta meilleure amie ou alors ta soeur, je ne sais pas. Mais tu veux qu'elle ait un enfant. Et tu portes ce fardeau sur ton cœur. Pas besoin de tomber. Tu es ami ou tu es très proche d'une certaine Sandra. Et ton fardeau, c'est qu'elle porte aussi la grâce de la maternité. Je veux que tu lèves la main rapidement parce qu'à partir de toi ici, cette sœur ou cette copine qui s'appelle Sandra va recevoir ce miracle. Sécurité, demandez-lui d'abord si c'est elle. C'est elle? Pas besoin de crier, pas besoin de tomber. Il faut venir. Hein? Dieu va visiter Sandra même si elle n'est pas là. On acclame Jésus très fort pour ça. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Je veux demander à cette personne aussi. Waouh, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Il y a des choses qui sont en train de se passer. Car tu sais restaurer. J'ai vu N-A-D-I. Alors, c'est ce que j'ai vu. Et puis j'ai demandé au Seigneur N-A-D-I, ça veut dire quoi? Il m'a dit c'est le nom d'une personne. J'ai dit mais il n'y a pas de nom comme Nadi. Mais c'est comme ça qu'on t'appelle. Je pense que c'est le diminutif de ton nom. C'est ça. C'est le diminutif de ton nom, c'est le Nadi. C'est comme ça qu'on t'appelle. Je vois même des enfants t'appeler Tata Nadi et tout ça. Alors Dieu veut faire un travail de restauration dans ta vie. Si ça ne te dérange pas, parce que tu as très honte, tu as beaucoup honte de la foule, mais si ça ne te dérange pas, viens parce que il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie maintenant. N-A-D-I, en fait c'est ça. C'est le petit nom par lequel on t'appelle. Si tu peux lever la main rapidement pour venir vers moi, c'est qui? C'est qui? Lève la main, viens rapidement vers moi. Tu as très honte, je le sais. Mais tu es là. C'est vous? Il faut venir. On acclame Jésus très fort. Il est en train de travailler en elle. Car tu sais restaurer. Il faut venir. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Je ne vois pas véritablement la maladie. Mais je vois un profil Facebook. Et je vois quelque chose comme bénédiction qui accompagne ton nom sur Facebook. Dieu est en train de te guérir parce que ça fait plusieurs moments que tu traînes une maladie dans le corps. Et malgré les traitements, aujourd'hui tu es fatigué des traitements. Et ton profil Facebook, je vois qu'il le nom qui est, il y a un nom sur ton profil Facebook qui est bénédiction. Si ça ne te dérange pas, viens pour recevoir l'imposition des mains du Père. Parce que la maladie que tu traînes n'est pas simple. Il veut te guérir de manière authentique et définitive. Si ça ne te gêne pas, toi aussi tu es très timide, mais si ça ne te dérange pas, lève-toi, viens rapidement. C'est qui, s'il te plaît? Viens, pardon. C'est qui? Rapidement, lève la main, viens vers moi. Tu es sur Facebook, je vois bénédiction. Bénédiction. Je ne pense pas que tu ne sois pas ici.
Il y a un nom qui accompagne ton profil, c'est bénédiction. Tu peux lever la main parce que la maladie que tu traînes depuis longtemps, Dieu est en train de la guérir de manière authentique. Tu sais bien que c'est toi. C'est qui? Ceux aussi qui sont sur la page, c'est vous là-bas. C'est vous là-bas, bénédiction. On acclame Jésus très fort. Il est en train de travailler dans sa vie. Je veux demander à cette sœur qui est là, qui est d'origine togolaise et qui a tellement pleuré, qui a prié, qui a demandé à Dieu de la visiter, si tu peux te lever aussi pour que, recevoir l'imposition des mains du Père, il faut venir vers moi. C'est vous là-bas. On va acclamer Jésus très fort. Il faut venir devant. Merci Jésus. Je veux demander à ces personnes qui sont de passage en Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai une maman qui est là, qui est arrivée de Le Mans. Mais ce que je vois, vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Et la semaine prochaine, je n'ai pas dit que vous allez repartir dans un mois. La semaine prochaine, vous repartez. Vous êtes juste de passage et on vous a traîné, on vous a fait venir à ce Shiloh. Il faut venir devant pour que le Père puisse prier pour vous parce que les bénédictions qu'il est en train de vous apporter maintenant vont vous accompagner. Vous repartez dans vos pays la semaine prochaine. Il faut venir rapidement devant. Voilà, on acclame Jésus très fort pour toutes ces personnes qu'il est en train de visiter. Waouh, Jésus. Il faut venir rapidement pour que le Père prie pour vous. Jésus, Jésus, merci. Merci, Jésus. Waouh. Tout à l'heure, le Père a parlé des preuves. Tu es tellement découragé. Tu es là, tu es une sœur. Tu es découragé au point où tu as commencé à déprimer. Écoute-moi bien. Ce que je vois, c'est une paire de chaussures que tu portes, qui est de couleur noire. Et je vois 37-38. Tu es en train de déprimer. S'il te plaît, viens. Ne laisse pas la dépression te tuer. Il faut venir devant. C'est vous. C'est vous. La chaussure elle est vraiment noire. Il faut venir devant. Je veux demander aussi à cette personne, si ça ne te dérange pas. Tu as entre 42 et 43 ans. Et le démon t'a clairement suggéré comme ça. Tu as entendu. Et tu entends des voix qui te disent clairement, tue-toi. À cause des épreuves que tu vis, le démon t'a dit clairement, et c'est parce que tu aimes Dieu, que tu es encore là. Le démon t'a poussé au suicide. Si ça ne te dérange pas, c'est vrai que c'est une parole un peu forte, mais si ça ne te dérange pas, tu as entre 42 et 43 ans. Le démon t'a conduit, il t'a presque conduit au suicide. Et tu as résisté jusqu'à aujourd'hui à cet esprit de mort. Si ça ne te dérange pas, lève-toi et viens pour qu'on puisse prier pour toi. Nous disons merci, continuons de le supplier. Allons-y, continuons de le supplier. Continuons de lui parler, il est en train de rejoindre nos maisons. Plus tu pries certainement, une parole va te localiser. Dieu ne peut pas donner de parole de connaissance pour tout le monde. Mais plus tu pries, une parole va te localiser. Ouvre la bouche, dis-lui Seigneur, moi aussi je suis venu à ce Shiloh pour recevoir quelque chose. Vas-y, parle au Seigneur maintenant. Vas-y, prie maintenant, prie, prions le Seigneur. La nuit est avancée, nous sommes en train de finir ce temps de prière. Prions maintenant. Alors on va tous se mettre debout. On va se mettre debout. Et nous allons demander au Seigneur une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour nous fortifier, pour nous donner des armes, pour tenir ferme dans la prière et rester fidèle à notre engagement. Tu vas demander la grâce du Saint-Esprit maintenant afin qu'il renouvelle ta vie et ta force intérieure. Tu vas ouvrir la bouche et réclamer le Saint-Esprit maintenant. Vas-y, prie maintenant. Dis-lui de renouveler ta vie de prière, ta consécration. Est-ce que quelqu'un veut reprendre sa vie de prière? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent avoir une vie de prière normale? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent être des personnes d'impact et d'influence dans leur milieu de vie? Est-ce qu'il y a des candidats ici qui souhaitent que la grâce de Dieu leur soit accordée pour être des flammes allumées pour leur famille? Est-ce qu'il y en a ici? Ô Seigneur,
Ouvre la bouche et commence à réclamer la grâce de l'Esprit Saint sur toi maintenant. Prie maintenant. Appelle le Saint-Esprit, bien-aimé. Oh Jésus. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de venir jusqu'à toi. Kéria Bassit. Vas-y, prie. Ce soir, que le Saint-Esprit peut le visiter. Est-ce que quelqu'un veut être visité par le feu de Dieu, par la force qui vient d'en haut? Est-ce que quelqu'un ce soir est candidat à la réception de la grâce de l'Esprit? Oui, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, bien-aimé. Invoque-le, continue de prier. Bien-aimé, parle-lui. Ce soir, il est là pour toi. Il veut que tu te relèves et que tu te tiennes debout dans la prière. Lui, c'est le paraclet. Il viendra redresser ce qui est tordu. Il viendra réchauffer ce qui est froid. Il viendra te redonner cette vie, ce coup de la prière. Oui, parle-lui, bien-aimé. Serviteur. J'ai dit qu'il veut faire de toi son serviteur. Il veut faire de toi son serviteur. Ici dans cette rangée là, il y a un feu qui a commencé là. Regardez, ça a commencé là jusqu'à dehors. Cette rangée jusqu'à dehors. Regardez là de l'autre côté après les baffes dehors. Il y a un feu qui est en train de souffler ici. Le Seigneur est en train de poser sa main sur des hommes et des femmes. Je demande aux membres de la sécurité d'être vigilants. Parce que c'est un feu qui est en train de t'embraser maintenant. Et c'est fort. Pendant que tu m'entends, c'est fort. Il y a une jeune soeur qui est en train de vivre cela. Tu te retiens. Mais je dis, c'est fort. Waouh. Et le souffle est en train de partir. Soyez vigilants. Parce qu'il y aura du mouvement dans cette assemblée. Le Saint-Esprit a décidé de poser sa main sur les hommes et les femmes. Ici et maintenant, ce soi-même. Peut-être que tu penses que tu n'es pas digne de cela. Mais le Seigneur te dit, je te connais. Comme il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta main, je te connaissais. Et j'attendais cette occasion pour mettre ma main sur toi. Et pendant que tu m'entends, regardez cette jeune sœur, il y a plusieurs personnes comme cela. Que le Seigneur est en train de visiter. Et
Et sa main est en train de se poser sur vous. J'ai dit, et sa main est en train de se poser sur vous. Regardez dans ma direction. Il y a une jeune soeur. Waouh. Là, ça sera tellement fort que la soeur va se mettre à courir. À plusieurs reprises, tu entends la même parole. À plusieurs reprises, tu entends la même parole. Et ce soir, la main du Seigneur se pose sur toi. J'ai dit que sa main se pose sur toi. Sa main se pose sur toi. Et il te tient par la main. Il te dit, ma fille, n'aie pas peur. Ma fille, n'aie pas peur. Dans ta famille particulièrement, c'est une famille beaucoup divisée. Et tes frères et sœurs, chacun a recours à des choses pour se protéger. Mais tu as dit, moi je compte sur le Seigneur. Je ne sais pas où tu es. Tu as dit, moi je compte sur le Seigneur. Tes frères et sœurs, chacun a recours à des pratiques pour se protéger. Mais pendant que tu m'entends, le Seigneur te dit, n'aie pas peur, car ma main s'est posée sur toi. À partir de toi, un feu nouveau va naître dans cette maison. La main de Dieu est posée sur moi. Ah, il y a plusieurs personnes dans ce cas. Soyez vigilants. Le Seigneur est en train de vous équiper. Il est en train de t'équiper. Je ne sais pas là où tu es, mais je dis qu'il est en train de t'équiper. Il est en train de t'équiper. Et sa main se pose sur toi. La main de Dieu est posée sur moi. Il m'a moi pour l'annoncer. Seigneur, nous te bénissons. Wow. Il y a une personne, pendant que tu m'entends, il y a des frissons qui te traversent tout le corps. Ce n'est pas de la chaleur, mais ce sont des frissons qui te traversent sur tout le corps. En fait, tu es en train de recevoir une marque spéciale. Le Seigneur est en train de poser sur toi une marque spéciale. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te supplie que ta main continue de se poser sur cette personne. Redonne-lui la force. Que cette personne garde le goût et la vie de la prière. Alléluia. Je voudrais prier pour deux frères. C'est plutôt un jeune et une fille. Vous n'êtes pas catholique. Mais vous êtes venu à Shiloh pour prier. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais prier pour vous. Vous traversez beaucoup d'épreuves dans votre famille. Et quand il y a une occasion de prière, vous ne manquez pas à venir. C'est un jeune homme et une fille. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais prier pour vous. Vous n'êtes pas catholique. Je veux prier pour vous. Car ce que le Seigneur veut faire de vous deux sera grand et puissant. Pendant que vous m'entendez, que la main du Seigneur vous appelle ici et maintenant. Nous allons lever les mains. J'attends cette sœur qui n'est pas catholique. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu n'es pas catholique, mais la main du Seigneur également se pose sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, nous te supplions.
Regarde tes serviteurs que voici. Seigneur, tu connais leur famille. Donne-leur, Seigneur, ta force. Et que ton Saint-Esprit vienne sur eux maintenant. Recevez la force qui vient d'en haut. Qu'il vous donne le zèle. Qu'il fasse de vous une flamme, une torche allumée pour votre maison. Et qu'il vous bénisse. Qu'il fasse de vous une flamme, un feu ardent pour votre maison et pour votre foyer. Et qu'il vous bénisse. Qu'il fasse descendre sur vous sa force et son feu. Recevez au nom de Jésus. Soyez une torche allumée maintenant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus ce feu, cette force qui vient d'en haut. Soyez une torche, une flamme allumée pour votre maison et pour votre famille au nom de Jésus. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons juste lever les mains. Ce que nous allons faire maintenant, nous le faisons pour achever notre temps de prière. Nous n'allons pas prier pour nous-mêmes, mais nous allons prier pour tous ceux que nous avons laissés à la maison. Vous allez demander au feu du Saint-Esprit, pendant que vous êtes ici, de vous devancer jusqu'à où là vous habitez. Que le Saint-Esprit vous devance là où vous travaillez. Nous allons réclamer le feu du Saint-Esprit maintenant. Réclame ce feu pour ta maison, pour ceux qui vivent chez toi. Réclame ce feu là où tu travailles, sur ton lieu d'habitation, ton lieu de travail. Bien-aimé, réclame ce feu maintenant. Réclame ce feu maintenant. Tu es venu. Réclame ce feu maintenant. Il a commandé, Lazare s'est levé, Esprit de Dieu. Jésus t'appelle, tu es venu. Je dis, réclame le Saint-Esprit pour ta maison, là où tu habites. Demande au Saint-Esprit de te devancer. Demande au Saint-Esprit d'apporter la vie là où tu es. Oh, demande au Saint-Esprit de visiter ton lieu de travail. Ton lieu de travail. Ton lieu de travail. Prie, 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 réclame. Réclame cette force. Alléluia. Pendant que j'ai demandé, compris pour la maison, il y a un frère ici. Tu vis dans une maison avec quelqu'un qui est dans une secte et qui ne se gêne pas de pratiquer cela ouvertement. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, que quand tu vas rentrer, quelque chose se passera dans cette maison. Je ne vais pas te demander de venir, mais je bénis Dieu pour l'acte que tu viens de poser. Vous savez, lorsqu'on vous demande de poser un acte, faites-le de façon prophétique, parce que Dieu seul sait comment il inspire et comment il agit. Alors nous allons terminer pour prier pour tous les enfants qui sont ici. Je vais voir tous les enfants qui sont là. Les autres pouvez vous asseoir. Hein. Tous les enfants venir devant l'autel. Si tous les enfants peuvent venir, nous allons terminer par là. Ce que Dieu fait, mes merveilles. Ce que Alléluia. Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait m'émerveille.
Ce que Dieu fait me dépasse. Alors, l'Éternel dispose tout. Jésus est présent. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement. Alors, je voudrais prier avec vous et pour vous. Pour vous qui pouvez parler, Jésus est présent. Est-ce que vous avez des choses à lui dire pour vos parents, pour vos amis? Jésus est présent. Est-ce que vous avez une prière à présenter au Seigneur pour papa ou pour maman? Est-ce que vous avez une prière à formuler pour papa ou pour maman? Jésus est présent, parle-lui. Ou bien si parmi vous, il y a des enfants qui sont malades, si vous êtes malade, vous pouvez lui demander la grâce de la restauration. Alléluia. Et de la guérison. Est-ce que vous pouvez lui parler? Il est là. S'il y a des choses à demander pour papa ou pour maman, Jésus est présent. Pour votre frère ou pour votre soeur, parle-lui. Si c'est pour vous-même, vous avez besoin de guérison, parle-lui. Alléluia. Et là, le Seigneur a commencé à guérir un enfant qui a un problème d'audition. Il n'entend pas très bien d'une oreille. La mère est là, elle met des gouttes dans l'oreille de l'enfant qui est présent là. Le Seigneur est en train de guérir cet enfant de ce problème d'oreille. Maintenant, il est en train de guérir cet enfant. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as commencé à faire. Achève en cet enfant ce que tu as commencé. Alors, vous avez parlé, non? Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons te prier spécialement parmi ces enfants pour ceux qui sont frappés par l'épilepsie. Nous te supplions. Je ne sais pas si les enfants peuvent connaître cette maladie ou si les parents sont là, mais il y a deux ou trois enfants qui sont frappés par la crise d'épilepsie. Je ne sais pas s'ils peuvent reconnaître cette maladie. Vous levez simplement la main comme ça. Le Seigneur est en train de guérir totalement ce mal en vous. Il le guérit totalement. Vous lui avez parlé. Il est présent devant la Sainte Eucharistie. C'est votre frère, c'est votre maître, c'est votre papa. C'est Jésus qui est là. Et je termine et je prie qu'au travers de vous, vous soyez source de bénédiction pour vos parents. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ce que Dieu fait m'est merveilleux, ce que Dieu fait me dépasse, ce que Dieu fait m'est merveilleux, ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose de tout en ma faveur, la pluie, le beau temps en ma faveur, les saisons de l'année. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.